Camille Zaliawa, na la Nicolas Capo, Yamotuka. Oh, il a son mot parti. Donc on est faux banque, on a combien de vétérinaires dans la Lika Rapoye. Vraiment, Penta Santé, on est comme une des oeufs et la bise de la Lika Rapoye. Ils ont comme moi. Regardez comment les enfants fatigués. Pourquoi tout ça? Regardez-moi ça. Est-ce que c'est normal? Regardez-moi ces enfants dans cette voiture. Depuis hier matin, ils n'ont pas mangé. Voilà. Pourquoi ce genre de traitement? C'est triste. C'est vraiment triste. Voilà. Voilà encore un parent, mesdames et messieurs. Waouh. Regardez-moi ça, cet enfant, ce bébé-là. Papa Félix, la police y a Congo. Et là, la police, et là, commune Yantsele. En fait, on est à Kinshasa. J'aimerais quand même que le Congo qui vit ces moments les plus tristes, les plus tristes et les plus malheureux, parce qu'on ne sait pas comprendre où on est réellement. Regardez un peu l'ambiance ici. C'est comme si on était à une frontière d'un pays à un autre, où les Congolais, sur la terre de leurs ancêtres, sont traités par sa police comme des voyous, comme des énergumènes, comme des réfugiés. Alors, on se pose la question, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'on a vraiment un pouvoir pour aider sa population ou on a un pouvoir pour continuer à martyriser cette population? Il est 4h du matin à Kinshasa. Nous sommes ici parce que nous sommes empêchés tout simplement d'arriver chez nous à la maison parce qu'il y a une mesure dite celle de couvre-feu décrétée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Alors la question qui se pose, mesdames et messieurs, à travers le monde, parce que j'aimerais que ça soit vraiment bien dit. Nous sommes à Kinshasa, je vais situer là, où nous sommes, à Kinshasa, dans la commune de Lantsele. On appelle cet endroit arrêt Kampen. C'est à quelques minutes de l'aéroport de Djili. C'est-à-dire que nous venons, par exemple, pour ceux qui sont, la majorité sont partis de Kinshasa, entre autres de la Gombe, aux environs de 18h, 19h. La question, au fait, c'est le fait que à partir de 20h au niveau du quartier 1, communément appelé boulevard Kimbuta, il y avait, je ne parle pas de l'embouteillage, je parle d'un bouchon. Un bouchon ferme, impact, qui vous empêche d'avancer. Alors, je suis sûr et certain que si cette police a les moyens de pouvoir encadrer la population, il devait y avoir une communication entre ceux qui sont au niveau de Kimbuta et ceux qui sont ici, disant à ceux qui sont ici qu'il y a un bouchon et qu'il fallait une mesure d'allégeance. Ce qui n'a pas été fait, mesdames et messieurs, regardez ces mamans, ces petits bébés allongés à même le sol. Regardez ces images. C'est très important pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Il y a ces garçons, ces petits mignons garçons qui a passé la nuit à la Belle Étoile. On a refusé que cet enfant passe. Il est malade avec son papa. Madame, venez, c'est où l'ordonnance? La preuve, c'est l'ordonnance. Vous allez voir l'ordonnance qui a été établie hier, le 10 janvier. Amenez l'ordonnance. Madame est là avec son enfant. C'est horrible. C'est inacceptable. Nous ne sommes pas à l'étranger. Regardez, mesdames et messieurs, amis internautes, amis internet, amis téléspectateurs, c'est horrible. Regardez cette ordonnance de cet enfant. On peut parler, on est en direct, ne répète pas. Ngaye loko ezo sala pasi na mboko ezali oyo. Nazali na sonya mboka na ngaye. On a outi musala na likeo zo mwasi na nga na ville, na outi na 19h juste na ville. Na kombi awa na 20h na 21h 9 minutes liboso ya barrière. Mais aux expliquer mon tout que non ndako eza juste liboso pour la leka a joye bisayo bikeni na ka oyo za na moke de ko senga président de la république a pe son autorisation. Ah, est-ce que mboka oyo toza banyama toza ya boîte mais ba camion est ça? Est-ce que bobo tani que bosala banzela te parce que nzela oyo bouchon tout kutala ki nango. Depuis 19h, tu as la carte à bouchon. Tu as mis la bouchon pour te comme awa. Tu as mis tout le cas. Tu as mis la présidente de la République. Tu as mis la présidente de la République. Mais ça passe bien. Ils ont rappelé que la ministre de la République a prévu sur 22h. Ils ont roulé ça. Oui, il y a faible. Je suis un malouk. Je suis un chauffeur. Je suis un chauffeur. Je suis un chauffeur. Papa, Ozapi. En tout cas, place, tu as un bloc. Bloc, il y a un nini.
Batier barrière pour ma gamme. Le kouta, ma coronavirus, le kouta. Coronés Ali, mais le qui m'a l'arrière. Ok, merci papa. Alors, je regrette, tu as la portion dans Zaleli. Je n'ai pas à passer, je suis chauffeur, je suis malou. Camille Zalia, je suis le colo à capot. Il y a mon touka. Oh, ils ont un bon côté. Mais, tous les cas, moi, je suis mis comme si c'était Awa, mis tout comme Ledia. Ils ont les cas. Babangi Ledia, tu es habité Ledia, moi, Azali Nani, il y a l'équipe, ils sont les deux, ils ont fait ma, ils ont fait ma, ils ont fait ma. Papa Félix, la police, il y a Congo, ils ont la police, ils ont, bah, ben, ennemi, na yo. Bah, qu'est-ce que tu as habité, mais si tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, ce sont des voleurs. Merci papa. Merci beaucoup. C'est bien dit, mesdames et messieurs. C'est la population qui s'adresse à son président. Il est important, oui. Comme 29. Dans nos zones, on est faux banque. Dans nos faux banques, on a combien 29. Dans la liqueur à boire. Hein? Vraiment, pendant 100 ans, on lit comme une des oies la bise sur la liqueur. Hein? Ils ont comme moi. Non, pas pour la papa. Ils sont pas si. Ils sont pas si la passe la moko. La tracasserie à Boyanini. Nous sommes comprendre que couvre-feu aujourd'hui. Nous sommes comprendre couvre-feu aujourd'hui. Tant qu'on va commis à 21h juste la barrière, va expliquer que tu vas te mettre sur la cangami à niveau et à bouteillage dans bouchon à quartier. Il faut quand même que les bandes ne soient légères, tâches et qu'on permette de battre. Mais comme il y a un problème sérieux, et comme il y a un entouplement, il y a un sous couvre-feu, comme vous voulez savoir, il y a un sous-couvre-feu, comme il y a un entouplement. Au moment où on a un quartier, il y a un quartier, normal couvre feu yango eza pour ko kaka mitu kalanzela ou bien eza pour ko sécuriser même bantu na biloko na bango. Passez un message dans l'auditeur s'il vous plaît, passez un message d'auditeur général, auditeur supérieur, il y a ville province à Kinshasa, auditeur de garnison certainement à Yamatete, il y a un policier ici, il faut interpeller le commandant na bango. Je crois qu'il faut que la personne, moi je suis quelqu'un de très connu, alors le grand avocat dans mon sous, alors coach Avina en insécurité.